Bonjour à tous, ici Claire des Lucasfilles. Vous avez peut-être délaissé tout juste la plage et un joli coin de verdure, mais rassurez-vous, je couvre vos arrières car il reste bien des voyages virtuels à faire et de sacrés dépaysements en perspective avec des séries, drama, chouchou. C'est parti Les top The Day of Becoming You. Fan de Body Swap, ce genre où Monsieur passe dans le corps de Madame et vice-versa à la Secret Garden, alors foncez voir cette réjouissante version chinoise avec Steven Zhang et Liang Jie qui est décidément partout ces derniers temps. Le pitch Une journaliste de presse People essaie de décrocher l'interview du très taciturne et pas loquace chef d'un boys band à la mode. Elle se fait passer pour sa fan alors qu'elle ne jure que par l'un des deux autres membres auxquels elle voue un culte depuis qu'il lui a mis un pansement. Ce n'est pas le coup de foudre mais ça l'est quand même car suite à un accident improbable de chute d'ascenseur les deux survivent mais se réveillent dans le corps de l'autre. Et là, c'est l'autoroute des gags Zizi, Boub et Ragnagna alors qu'ils doivent non seulement Seulement composer avec un genre qui n'est pas le leur mais aussi se faire passer pour l'autre le temps de régler la situation ce qui les amène à une coopération qui va forcément les rapprocher plus qu'ils n'auraient pu s'y attendre c'est absolument adorable et vous donne le big smile avec des acteurs excellents et tout un tas de scènes très péchues notamment toutes celles qui consistent à voir l'héroïne palper les noix du héros quitte à se prendre en photo dans le feu de l'action oui oui j'ai bien dit les noix et non ça n'est probablement pas une coïncidence. C'est sexy, romantique, drôle, enfin bref, tout ce qu'on attend dans un bon drama en mode rom-com. Un seul moment cringe pourri pour moi, celui où la nana pleurniche d'avoir pris du poids et d'être devenue une grosse vache de. Alors attention, accrochez-vous. 49 kilos. Le tout assorti d'effets sonores du plus lourdingue. Non aucun de ces acteurs n'est gros alors arrêtez tout de suite de nous gonfler Mysterious Love, une très jolie surprise pour un drama qui combine nouveaux acteurs sympathiques jolie production avec beau générique belles images, un format court de 16 épisodes et un scénario que j'ai trouvé assez original pour une fois mis à part sur la fin et puis en plus c'est hyper sexy et c'est très appréciable, le seul hic est encore une fois sur le poids des acteurs car j'avais envie de balancer des sandwiches aux personnages masculins que j'ai trouvé un poil famélique et puis peut-être des méchants un poil trop dessin animé mais sinon c'est peck. Le pitch, une actrice s'est retrouvée kidnappée par une organisation mafieuse lors d'une tournée et s'est retrouvée sous la protection d'un agent infiltré du nom de Lee qui lui a évité le viol et la mort en en faisant officiellement sa poule. Officieusement, il a juste fait des pompes sous la couette. Et et ça l'a fait, allons-y que je t'embrouille. Évidemment, il y a eu attraction entre les deux, mais la nana est persuadée que le chouchou est mort dans une explosion au moment où elle se faisait libérer, et cinq ans plus tard, inconsolable malgré les tentatives de mariage arrangé de ses parents, par ailleurs très modernes et sympathiques, c'est un choc lorsqu'elle recroise le disparu, devenu le patron d'une société de protection. Elle devra lui courir après alors qu'il feint au début de ne pas la connaître et qu'il persiste à garder ses distances tout en Étant paradoxalement incapable de résister au besoin impératif de garder un oeil, mais pas que sur elle, car il est quand même assez possessif le bougre. C'est chouette comme tout, on s'ennuie pas une minute, et c'est surtout le grand retour du shampoing Adolphe. Et pitié, pitié, mais que quelqu'un me dise où on peut acheter cette marque, je n'en peux plus, il faut absolument que je me fasse un shampoing Adolphe. The Queen of Attack. Encore un format court et une jolie surprise pour ce drama historique en mode surnaturel. Une étudiante lanceuse de javelot, mais ce détail est complètement osef en fait, se retrouve plongée dans un scénario de drama à la Romance of Tiger and Rose et dans la peau de la détestée promise de l'empereur qui, le soir des noces, lui inflige direct l'humiliation d'assister à ses coucheries avec la favorite avant de manigancer sa mort illico presto. Autant dire que sa part Mal parce qu'à chaque fois qu'elle crève, Zhu reboute du scénario et retourne à la case départ. Comment va-t-elle se sortir de cette galère Quel rôle doit-elle jouer Et surtout, comment ces décisions vont-elles modifier le scénario et l'attitude de l'empereur bâtard qui est en fait un homme de paille acculé par ses ennemis et qui essaie de s'affranchir et ne s'attend pas du tout à trouver l'héroïne comme alliée Au passage, très jolie révélation de l'acteur Ryan Chong qu'on déteste de prime abord afin de le trouver de plus en plus craquant au fil de du scénario un drama dans la veine de tous les autres styles jeux vidéo comme to get her ou unique lady et si vous aimez ce genre ce qui est mon cas c'est un drama à ne pas louper from five to nine je ne vais même pas essayer de dire le titre original en japonais mais euh, je vais simplement dire que cette série est devenue haut la main mon drama japonais préféré jusqu'à ce jour Bah déjà une héroïne prof d'anglais j'achète et tout le postulat était assez original pour que cela pique mon intérêt le pitch lors de funérailles, l'héroïne commet l'incroyable bévue de renverser par accident le pot de cendre du défunt sur la tête du prêtre qui officie. Drôle de circonstance pour une rencontre, en tout cas le prêtre décide que la gaffeuse est la femme de sa vie et lui annonce fièrement qu'elle doit l'épouser. Ce qui embarrasse bien la Miss qui a d'autres ambitions que de devenir la bobonne du temple local et rêve depuis un bail d'aller vivre à New York et si possible de retrouver son prof d'anglais et crush du de jeunesse. Mais notre prêtre n'en démordra pas et commence à stalker la donzelle à son boulot et chez ses parents, ce qui crée un sacré pataquès dans l'institut de langue où la miss a d'autres soupirants, dont un qui nous fera une petite surprise de genre. On aura même droit au retour du prof de New York et puis aussi à la grand-mère autoritaire du prêtre énamouré qui a prévu un joli mariage arrangé pour lui et va en faire voir des ronds de chapeau à la nouvelle promise malgré elle. Alors que les Japonais ne sont jamais à l'abri de scènes malaisantes. Que nenni dans cette série drôle, fraîche et, et sexy quand même, et où pour une fois j'aurais bien voulu qu'on me donne un petit chouia en plus, tant l'alchimie entre les deux acteurs est remarquable et qui sont en plus tous les deux d'une grande beauté. Tous les personnages sont chouettes, à part peut-être le frère Rotor euh, sorti tout à coup du chapeau, mais c'est un vrai petit bijou de petite série avec des situations cocasses à soi. Si vous aimez les personnages masculins possessifs, celui-là n'est pas mal dans le genre, mais au moins, ça n'est pas un gros bâtard la série What The Fuck. Prince Consort Please Advise. Vous pouvez également trouver cette série sous le titre euh, Princess You Have Five Husbands. Oh là là, mais où commencer avec cette série qui nous propose un harem inversé mais qui est d'un cheap et d'un kitsch comme je n'en avais pas vu depuis longtemps et Dieu sait si pourtant il y en a. Un. Alors une jeune fille se retrouve promue princesse, alors tu sens l'embrouille, et sitôt expédiée à la place de la fille de l'empereur afin d'insurer un mariage diplomatique avec un royaume voisin. Surprise son arrivée elle apprend que selon les coutumes de son nouveau pays ce n'est pas un époux mais cinq dont elle hérite puisqu'elle doit convoler avec tous les fils de l'empereur chacun avec une personnalité bien distincte le prince héritier froid et sérieux habillé de noir le guerrier qui passe son temps à moitié à poil le génie des affaires radin le poète philosophe efféminé et un gosse surdoué bien embarrassée elle essaie de composer avec son étrange situation et sur de comprendre comment elle a pu arriver dans cette pétodière car euh, elle sent que ses époux ont un secret alors ça a le mérite d'être court hein, puisqu'on nous annonce fièrement une saison 2 vu qu'on n'a aucune résolution et c'est du grand n'importe quoi avec tout qui est moche, tout un grand moment cringe où la suivante est passée au blackface et se voit promettre une pilule miracle pour avoir la peau blanche. Grand moment de solitude, on mesure que le politiquement correct qui s'applique chez nous est absolument inexistant en Chine. Je dirais que c'est une curiosité et que c'est distrayant, mais que ça fait quand même vachement mal aux yeux. On continue la playlist avec Ching Luo. Je suis toujours partante pour la revalorisation des villainous crush en héros principal, comme ce fut le cas l'année dernière avec Dinah. L'un des bâtards de Princess Agents et Wei Yang, et donc j'étais euh, très motivée en découvrant sous les traits du personnage masculin le vilain crush de Love and Redemption et Destiny of the White Snake, Liu Suiyi. Alors comment s'en sort-il eh ben, Très bien, un prince général auréolé de gloire et d'une garde armée badass en noir se planque incognito à la recherche d'un médecin pour traiter l'empoisonnement/slash maladie de son frère en phase terminale. Coup de bol, il tombe sur un produit du genre, une femme médecin voilée qui a des disciples et des gardes du corps, mais surtout un rejeton, un affreux petit Jojo qui refuse de la voir se marier et qui se balade avec un scorpion de compagnie. Un anti-Benjamin puisqu'il pourrit toutes les histoires potentielles de sa mère, mais surtout une situation assez rare dans nos dramas où on a rarement à se farcir un bambin dans les pattes du couple principal ou une maman solo. La complication de cette maman solo, elle n'a aucune idée de comment elle a eu ce bambin ou qui serait le père puisqu'elle souffre d'une belle amnésie qui... Heureusement, n'a pas du tout handicapé ses facultés de soigneuse. Comme d'habitude, le couple est mal paré car le prince a endossé l'alias d'un horrible coureur de jupons et donc la femme médecin essaie régulièrement de se débarrasser de ce fléau pour la jante féminine. Ce drama historique était une excellente surprise avec d'excellentes scènes et un couple principal très réussi. My roommate is a gummy hoe. Ah, encore une histoire de renard ici, un blanc à neuf queues qui plus est, et encore une fois ça. Marche au poil. Alors, cette série, c'est clairement Kiss Goblin avec un renard dans le rôle principal, et c'est d'autant plus troublant que dans le second rôle masculin, on retrouve justement le personnage principal de Kiss Goblin et son adorable cheveux sur la langue. Le pitch, un renard dispose de 1000 ans pour accéder à l'humanité et d'une bouboule d'énergie rouge qu'il doit parvenir à colorer en bleu pour obtenir le précieux sésame. Donc, euh, notre renard Kiss Goblin, il va pomper l'air de jeune donzelle le tout sans vraiment d'affect jusqu'à ce qu'un accident fasse passer sa bouboule dans le gosier d'une étudiante en fac d'histoire, fouteuse de merde et fan de poulet et de sojou. Comme par miracle, la bouboule vire au bleu et notre renard décide donc d'embarquer la poule chez lui afin de s'assurer qu'il pourra enfin devenir bientôt humain. Les deux acteurs ont énormément de charme et tout le cast est un vrai bonheur, avec la super copine étudiante brillante, le super copain bordélique, notre kiss goblin en vilain garçon qui se trouve une rédemption par amour, Yvonne, la méchante de Moon Lovers, il y a même une divinité qui paraît bien intéressante. C'est une série très chouette dans le genre surnaturel, même si l'intrigue présente zéro surprise en fait. La personnalité de l'héroïne est très attachante et comme on comprend son drame de ne plus avoir droit au poulet frit et à l'alcool lorsqu'elle se retrouve gardienne de la boboule. C'est une tragédie, aucun amour ne mérite ça. Uncontrollably Found, un petit mélodrame coréen avec en perso principal Mon Chouchou de The heirs Kim Woo Bin. Et et du coup j'étais bien contente de le voir briller même si dans cette série il va encore juste prendre la misère. Le Pitch, une idole coréenne découvre qu'il est atteint d'un cancer en phase terminale et part en dépression dans sa villa avec son chien. Ressurgit dans sa vie son crush de lycée, une journaliste poursuivie par les créanciers depuis le décès de son paternel, soutien de famille de son frère et qui se trimballe une très mauvaise réputation de corrompu et de matérialiste. Elle essaie de faire signer à l'acteur un documentaire sur sa vie et il l'enverrait bien chier mais voilà, il ne l'a jamais oublié et même si du point de vue de la fille, il était juste un big bully comme euh, il l'incarnait si bien dans The Airs, il a toujours considéré la Nana comme le seul amour de sa vie. Ajouter à ça une enfance évidemment pourrie avec une mère courage qui a fait un enfant toute seule après le départ de son brillant petit copain procureur vers de plus verts pâturages et qui fait la gueule à son fils depuis qu'il est devenu euh, célébrité au lieu de faire carrière comme le paternel. Paternel qui est l'ennemi personnel de la donzelle, puisqu'il a usé d'influence pour protéger le responsable de la mort du père de la fille dans un accident avec des lits de fuite. Et comme on en a jamais assez, le fils adoptif du procureur assume mal la culpabilité d'avoir un père ripou et protège incognito la fille depuis des années en se faisant passer pour un gentil gars fauché qui lui rend quelques services et pour lequel elle a développé un big crush. Bref, non je plus, vous avez un mélo bien calibré et même si je n'ai pas versé la moindre larmichette, j'ai quand même euh, vraiment apprécié la performance de Kim Woo -bin, toujours impeccable et qui confirme tout le bien que j'en avais pensé dans The Heirs. Doom at your service. Toujours dans les heureuses retrouvailles ce mois-ci, la polypocket de Strong Woman dans Bong Soon, dans ce drama coréen avec une fille en déprime car en phase terminale, tiens tiens alors décidément alors le nombre de cancers de cerveau qu'on a en Corée, et un être Surnaturel qui n'est pas en phase avec l'humanité. Tiens, tiens, on a déjà vu ça aussi quelque part. Une éditrice de romans en ligne apprend qu'elle a une tumeur au cerveau et trois mois à vivre. Et sous le choc, fait le vœu que tout le monde disparaisse avec elle, attirant donc l'attention de l'entité surnaturelle incarnant la destruction et la mort. Il lui promet de lui accorder un vœu et d'atténuer ses souffrances jusqu'à son décès. Et tout leur deal se complique rapidement car si la nana veut éviter la fin du monde, l'être qu'elle aime le plus au monde devra y laisser sa peau. Pas aussi peau de vache malgré sa déprime qu'on pourrait le penser, l'héroïne se promet donc de trouver le moyen de tomber amoureuse de l'entité afin de lui jouer un mauvais tour ironique. Ambiance la jeune fille et la mort donc, trop qui est toujours bien séduisant il faut le dire, comme celui du chasseur tombant amoureux de sa proie. Mais j'avoue que malgré un excellent début et de bien jolies scènes, j'ai fini par m'ennuyer beaucoup sur la fin. J'ai eu également du mal au début avec l'acteur, mais j'ai Parmi intéressés. Par contre, les histoires secondaires étaient juste insupportables en ce qui me concerne avec un triangle amoureux bien fadasse. Love is Phantom. Deux dramas japonais ce mois-ci, c'est une vraie révolution pour moi. Mais l'attrait de se faire une petite série rapido presto est tout de même l'avantage principal des dramas japonais. Une toute jeune fille, un peu maladroite, tiens tiens comme c'est original, travaille dans le café d'un grand hôtel et sauve du suicide un homme sur le toit de l'hôtel qui l'embrasse fougueusement. Troublée par la rencontre, la jeune fille découvre le lendemain que l'étranger est le concierge VIP de l'hôtel, un monsieur parfait qui ne s'est jamais intéressé à personne, mais qui du coup embarque chez lui la donzelle quand elle se retrouve sans foyer. Il a un passé torturé, comme tant d'autres avant lui, autour notamment de sa maman rayon de soleil, et c'est donc la figure maternelle que le perso retrouve auprès de la jeune fille. C'est un drama principalement basé sur une différence d'âge entre une toute jeune fille et un homme mûr avec des scènes assez sexy, mais ça reste plaisant à regarder, bien que ça ne m'ait pas laissé une impression très mémorable pour être honnête. Love in the Imperial Palace. Le drama crâne rasé 13 du mois, donc, et si ça se laisse regarder, ça n'est pas non plus hyper fameux, et, et pour tout dire, je n'ai pas embrayé directement sur la saison 2. Une jeune fille se retrouve embarquée dans le contingent de chair fraîche du palais impérial, un chouya malgré elle, pour faire plaisir à sa famille dans la mesure où l'ambitionne, pour son compte, de devenir L'épouse d'un intello de service. Contrairement à ses collègues d'infortune, j'ai envie de dire, elle a reçu une super éducation et c'est davantage de choses que juste jouer les accessoires décoratifs. Elle se fait donc bien sûr vite remarquer par son tempérament de feu et ses compétences par plusieurs Godeluro du palais, les fils de l'empereur Kangxi, euh, celui qu'on avait vu dans The Chronicle of Life, dont le prince héritier qui est un sacré benêt insupportable. Toute la première saison, elle essaie donc d'éviter ses assidus tandis qu'un quatrième prince pointe le bout de son nez et nous intéresse davantage et que tu réalises quand même que ça va vite devenir le bordel dans les projets d'héritage de l'empereur Kangxi. J'ose parier aujourd'hui que le prince héritier abruti va sentir le pâté, affaire à suivre ou pas si je finis par regarder la saison 2. Les flops Love Under The Moon J'étais partie sur cette série essentiellement pour voir Xia Jun, mon chouchou Li Rong-bin de Oh My Sweet Liar et vérifier si l'acteur était tout aussi choupi dans un autre rôle. Sauf que, ben, le flop, alors, ben, il reste aussi à Ning Jun qui est toujours aussi craquant euh, dans un tout petit rôle. Au début, je suivais encore l'histoire, un petit couple d'une ville provinciale qui se retrouve propulsé à la grande ville quand le garçon est récupéré par son père qui a refait sa vie à Shanghai. L'adaptation à une nouvelle vie de Richard dans une autre région avec d'autres coutumes était assez intéressante et j'avoue que le couple a une bonne alchimie. Mais je me suis très, 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 très Très vite ennuyé et pour dire, j'ai laissé traîner ce drama pendant des mois dans ma playlist avant de décider de juste zapper jusqu'à la scène finale pour m'en débarrasser parce que je n'en pouvais plus. Lost Promise. Bon, bah, c'est annoncé par le titre, hein. ce drama ne tiendra pas ses promesses. Une chef de secte se fait emprisonner suite au massacre de son clan par une secte rivale et devient le mentor du fils de la famille tout en étant enfermé dans un simili vierge de fer. En sachant que personne n'est au courant que la chef était une fille, donc, euh, oui. Tout ça n'est pas très réaliste. Le garçon va grandir, mais la fille n'a pas pris une ride. Et lorsqu'elle parvient à se libérer, elle joue la concubine du garçon afin d'enquêter sur le responsable du massacre de son clan. Euh, quel suspense vous, Si jamais vous regardez, c'était déjà annoncé gros comme une maison. Alors, si la fille est assez sympathique, la relation du couple n'a absolument aucun intérêt. Et à part pour voir un acteur sorti de la romance de roi jang, passer votre chemin. Cette histoire est naze jusqu'à sa résolution finale. Qui passe par la nécessité que la fille se fasse engrosser pour pouvoir se guérir avec le sang de son nouveau-né, une saleté de puanteur d'intrigue qui va donc entraîner la mort de l'héroïne, on peut s'en douter, et donc c'est tout pourri et je le répète, tout naze. Les Ninhies d'Or, meilleur acteur, mention spéciale à Kim Woo-bin qui, comme je l'ai dit, est aussi bien que dans The Ears avec son personnage à fleur de peau et bien émouvant. Mais la palme reviendra à Steven Jang dans le rôle fille-garçon de The Day of Becoming. Et que j'ai trouvé craquant tout plein, donc nouvel acteur pour moi à découvrir. Meilleure actrice, allez, une japonaise pour une fois avec la très jolie Ishishara Satomi et son tout aussi joli personnage de From Five to Nine qui a des ambitions perso, une vraie personnalité bien développée et nous donne de très jolis moments avec son partenaire en faisant cependant un petit clin d'œil à la pétillante Li Yeri de Gumio. Meilleur acteur dans un second rôle, Pei Inyok, qui s'est fait voler son rôle de Kiss Goblin dans le drama Gumio, mais que j'ai eu plaisir à retrouver en bad boy, qui fait des paris pour faire tomber la sainte Nitouche de la fac avant de se faire prendre à son propre piège. Si je n'ai pas mis Gumio dans le top, c'est justement à cause de son personnage, car j'étais assez colère qu'il disparaisse quasiment du second arc, et que son perso, ainsi que la relation avec la fille, soit sous exploité malgré, il faut le reconnaître de très jolis moments. Un acteur qui confirme là encore son potentiel pour moi, meilleure actrice dans un second rôle. Alors là aussi Gumio nous offre du lourd avec euh, la Yvonne de Moon Lovers en renard illettré, mais je vais placer la super copine de l'héroïne, Park hyung ye qui est en mode peur de rien en étudiante brillante et déterminée et qui tient vaillamment face à un cast très solide. Meilleure musique. Alors pour une fois, je vais quand même passer du temps chez les coréens en avec une temps. chanson en anglais Golden Love, un joli morceau folk tout simple et efficace. Par contre, c'est un morceau d'un groupe néo-zélandais qui n'a pas été écrit spécifiquement pour ce drama. Donc, ce serait une sacrée entorse. Du coup, la meilleure chanson originale sera le générique de Chingguo, euh, Yosia de IU, un thème assez traditionnel mais bien entraînant, aussi coloré que la série elle-même. Meilleure scène. Comme d'habitude, je vais citer quelques morceaux choisis comme la scène du baiser sous la neige de Queen of Attack, un classique qui fait toujours son effet, le perso masculin qui se jette sous le lit pour réceptionner sa belle qui chute dans son sommeil dans Uncontrollably Fund, la cascade de l'érection réprimée dans From 5 to 9, ainsi que la scène où le prêtre décide de traîner sa promise jusqu'à son temple et de l'enfermer dans une pièce, la forêt symbolique de Doom at Your Service, la salle de bain du désir de Mysterious Love, mais euh, pour les meilleures scènes, je choisis sans conteste The Day of Becoming You avec un doublé gagnant si je puis dire soit avec d'une part les scènes autour des noix où j'étais en mode ressuscitez-moi devant l'écran tellement les sous-entendus m'ont fait rigoler et la scène barrée des ragnagnas lorsque le héros mal informé a choisi de s'habiller tout en blanc et doit gérer un accident de garde-robe en plus des désagréables crampes j'adore ces scènes-là, en tout cas les scènes de règles à chaque fois, on peut compter sur les chinois pour nous donner des variations intéressantes sur ce trope. j'espère que cette nouvelle playlist aura pu vous donner des idées bonne rentrée à tout le monde et comme d'habitude je vais guetter les échanges en commentaire avec celles et ceux qui veulent bien partager leurs découvertes ou leurs envies et on se retrouve le mois prochain pour de nouvelles belles découvertes et quelques navets ça on pourra pas y échapper à bientôt et bon binge watch